Votre agence CAFPI Vincennes, courtier en prêt immobilier, vous présente ce programme. Le pic de pollution est au niveau 9, hein, des plus élevés, hein, puisque je crois que c'est sur une échelle de 10. Et donc là, ben, aujourd'hui, on a permis à des personnes de voir qu'il était possible de se déplacer en restant avec un véhicule propre. Jamais vu autant de sourires des enfants, des parents, des familles. C'est génial. La navette, elle est à 100% électrique, hein, 100% pour les Vincennois. Et puis le fait que ce soit entre l'Est, entre l'Ouest, eh bien, elle permet l'accès à la piscine. Et puis pour les personnes de l'Ouest, et puis pour les personnes de l'Est, eh bien, elles peuvent venir, ils peuvent venir au centre ou aller vers les métros. On a fait vraiment des tourelles, on a fait le marché, on a tracté. Extraordinaire, les gens étaient contents de nous voir à l'Ouest. Ils disaient, on est à l'Ouest, on est abandonné, occupez-vous de nous, même etc. Même la maire adjointe de Saint-Mandé disait, mais pourquoi vous ne nous l'avez pas donné? On va faire un tour à l'Est. Exactement. Parce que la piscine, il y a des gens qui vont sortir de la piscine pour aller déjeuner. Hein. Il y a une certitude, et là, il faut continuer, c'est qu'à Vincennes, on est majoritaire en sourire. Ah ouais, ah ouais. On a gagné la majorité des sourires, maintenant il faut gagner la majorité des voix. Excellent. Je compte sur vous. C'est vrai. Une super équipe. Pierre Cern qui disait à lui qu'il fallait justement des véhicules électriques, et ben nous, ben, on a un peu anticipé puisque depuis vendredi, on est avec cette navette, on sillonne tout Vincennes.